Cette semaine, dans Direction One, on va apprendre à configurer Kinect, le fameux capteur qui permet de contrôler la Xbox en parlant et en bougeant. Rien que ça. Vous allez voir, avec Kinect, les possibilités sont nombreuses. Que ce soit avec la voix ou avec vos mains, piloter la Xbox deviendra fun et rapide. Mais tout d'abord, on va installer Kinect en commençant par son placement. Rendez-vous dans les paramètres de Kinect et dans ce menu. En manipulant Kinect, évitez de toucher la façade, en effet, elle est composée de plusieurs capteurs qui pourraient mal détecter les mouvements s'ils sont sales. Essayez d'avoir une vision assez large de la pièce en prenant soin d'avoir une bonne détection du sol. Suivez ensuite les indications pour finir la configuration, comme la détection optimale du son. Kinect offre une reconnaissance si précise qu'il est possible de se connecter automatiquement en passant devant la caméra. Allez dans les paramètres de connexion pour activer cette option en choisissant une préférence de connexion utilisant Kinect comme celle-ci. Ensuite, réinitialisez les données de connexion via Kinect pour que le capteur vous reconnaisse et bougez votre bras pour être détecté. On peut enfin s'amuser avec Kinect qui répond instantanément à chacun de vos ordres. Par exemple, lancer une application comme YouTube, mettre en pause, naviguer dans la vidéo, ou encore contrôler la télé et jouer avec le son. Un petit tour dans le didacticiel de Kinect pour se familiariser avec les commandes, comme commencer ses phrases par Xbox pour que la commande soit détectée. Pour aller plus loin, on vous conseille le prochain Direction One qui présentera plus en détail les commandes vocales et gestuelles. Vous voulez plus d'infos, mais pas de soucis, il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube XboxFR. Et pour d'autres tutos, il suffit de cliquer sur les liens ici présents. Eh, facile hein ?